Bonjour Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de me laisser entrer chez vous le temps d'une lecture pour les énergies du 13 au 19 septembre. On va aller voir les énergies qui sont présentes pour cette semaine-là, voir un petit peu ce qui se présente à vous, tout simplement. Comme vous avez vu, on a fait un petit tirage un peu différent. Je les ai sortis en trois, on va dire le travail, carrière, amour, sentimental et puis argent et finances. Okay, on va regarder les trois aspects comme de cette façon-là. J'ai sorti deux cartes de l'oracle des petits anges, des anges, pour faire un résumé, faire une synthèse tout simplement des trois aspects de votre vie, on pourrait le dire de cette façon-là. Comme vous avez vu, j'ai mis les jeux. Vous avez le Yagel Didier ici. Vous avez ici le pour vivre en pleine conscience pour le côté sentimental. Côté ici, le Yagel Didier pour le côté travail, carrière. Et les portes magiques de l'univers pour le côté financier, argent. OK? Alors voilà, c'est là-dessus qu'on va partir vos énergies. J'espère que vous allez bien. J'espère que la forme est quand même quelque chose de présent dans votre vie. Et nous, on va commencer tout de suite avec la lecture de vos énergies pour la période du 13 au 19 septembre sur les ondes de la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, c'est parti, cher ami. Attendez un petit peu. Allons-y avec le secteur travail, carrière. La roue de fortune, changement, santé, balance, équilibre, plaisir, poisson, nouvelle pour concerner un travail. Bon, alors, il semblerait que vous aviez, je ne sais pas si vous êtes dans le moment, en période, de, au niveau du travail, en période de... d'arrêt de travail, santé probablement, peut-être, ça peut être un accident de travail, ça peut être un burn-out, ça peut être une question de, bon, peu importe la raison, c'est un tirage quand même général, vous le savez, hein, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond à votre préoccupation, à votre vie finalement. Donc, si vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, on vous demande d'exercer votre libre arbitre face à ça. Ce que je vous suggère, c'est d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait donner d'autres informations, on va dire, sur le sujet qui vous préoccupe nécessairement. Okay? Alors voilà, on revient à notre tirage. On parle de changement ici au niveau de la santé. Donc, est-ce que vous sortez d'une période, veut dire, où vous avez été immobilisé? Ou immobilisé soit physiquement, ou immobilisé, veut dire, par les sentiments que vous ressentiez, par la situation que vous viviez, personnelle, tout simplement. Parce qu'on parle ici d'une, on pourrait dire ça, une guérison, dans le sens que vous vous sortez de ces énergies-là. Il pourrait avoir, je pense que, je ne sais pas si c'est une prime, ou il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Ça arrive par surprise. On parle de petits profits, on parle de nouvelles, de petites choses qui arrivent, qui font plaisir. C'est comme la cerise sur le sundae, c'est comme la boucle sur le cadeau. C'est comme... parce qu'on parle ici de nouvelles concernant le travail. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose que vous avez presque mis de côté, presque mis une croix dessus. C'est de la manière que je le perçois, moi, au niveau du travail. Suite peut-être à, comme je vous dis, à cet incident qui est arrivé dans votre vie, qui a fait que, bon, vous avez été mis... dans la voie du garage, si on peut dire de cette façon-là, veut dire pendant un X, Y, Z période de temps. Je le verrai de cette façon-là. Mais heureusement, ça se passe bien. Ça se passe, veut dire, en douceur. C'est la nouvelle, elle est bonne. C'est la nouvelle que vous attendiez. Donc, vous êtes ouvert, veut dire, tout simplement, à cette opportunité-là. OK? C'est quand même bien, c'est pas quelque chose de très élaboré, je comprends, mais il reste à quelque part que ça donne exactement les réponses, je veux dire, que vous devriez avoir. OK? Alors, on va au niveau de l'amour sentimental, voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, on nous dit ici, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. On se laisse encore influencer. Allez au troisième œil, le 6, là. Faites attention peut-être au niveau de la famille, OK? Pour laisser les gens... J'incarne totalement qui je suis. On parle au niveau, c'est une prise de conscience, un chakra de la racine. Ici. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. N'oubliez pas qu'on est dans le secteur de l'amour sentimental. Là, on verbalise. Je suis capable de laisser l'énergie de circuler dans mon couple ou dans ma relation, tout simplement. Oups. J'expérimente le vide avec sérénité. Je prends conscience de ma circulation énergétique. Oh là là!
Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Je vais vous revenir, on va tous les ouvrir. Mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Et la dernière vous dit, la patience est un élément clé de ma sérénité. Bon, si vous regardez bien, même si je mets ça comme ça. OK. Je pense que c'est assez évident. J'espère que vous voyez bien. Attendez, on va placer ça ici, là. Au niveau sentimental, au niveau amour, sentimental, sentiment, je pense qu'il y a des choses que vous êtes entre en mesure dans le moment ici, maintenant, de reconnaître tout simplement, que vous êtes capable de verbaliser. OK? Il y a une partie de vous qui veut être zen, qui veut être ouvert sur différents sujets, ouvert sur différentes façons, interprétations de la vie. Puis d'un autre côté, on revient ici avec deux cartes dans le chakra de la racine qui vous parlent de la base. 2-2, hein, c'est quand même relativement équilibré. Mais ici, on dit, j'incarne totalement qui je suis. Ici, on vous dit, mes inquiétudes sont le fruit de mes projections dans le futur. Donc, vous êtes, comment je pourrais dire, vous avez été en mesure, ou vous allez être prochainement en mesure, de reconnaître ce qui vous retient tout simplement, on va dire, dans la relation pour vivre cette relation-là d'une façon plus épanouie. Puis c'est sûr qu'il y a des choses, comme je vous dis, qui sont à verbaliser, on va le voir tantôt, mais aussi à comment je peux dire ça, à voir sur une autre dimension, OK? Parce que c'est beau, parce qu'oubliez pas que c'est le rouge et le violet, c'est le début et la fin. Ça, on peut voir au niveau du cercle, OK? Il y a autre chose, mais je veux dire, je simplifie énormément l'équation, si on peut dire de cette façon-là, mais dans le rouge, il y a du violet, dans le violet, il y a du rouge. Okay, on va dans ces deux extrémités. Donc, entre ces deux, il faut que l'énergie circule, dont la bleue, là, celle de la gorge. D'un moment, qu'est-ce qui vous semble vous préoccuper? C'est d'être capable de verbaliser tout simplement ce que vous avez expérimenté ou ce que vous voulez expérimenter. OK? On vous ramène à vous, effectivement. On vous ramène à être totalement de ce que vous êtes, de reconnaître qui vous êtes et non pas qui vous êtes par rapport à ce que les gens pensent de vous. Parce que lui est gentil, lui des fois il commence beaucoup de choses, mais il finit par, il est porté, il veut dire être paresseux dans certaines situations. Des choses veut dire que vous avez commencé à force de les entendre à faire vôtre, alors que c'est pas du tout la personne qui ou les personnes qui vous disent ce genre de réflexion là sont dans le champ. C'est pas eux qui sont dans votre tête, dans votre cœur, dans votre trip, c'est vous. Donc vous savez exactement veut dire qui vous êtes, veut dire dans la mesure si vous vous donnez la chance de vous reconnaître tel que vous êtes. Vous savez, il y a des choses dans notre système, dans notre corps, dans notre esprit qu'on aime. Il y a certaines choses qu'on aime moins, hein, qu'on aimerait peut-être un petit peu. On reconnaît, veut dire, à quelque part, veut dire que c'est pas, on n'est pas fort dans cette direction-là. On va le dire de cette façon-là, gentiment. Mais ça se corrige. Du moment qu'on comprend pourquoi, puis l'intérêt est là, bon, ça se corrige. Veut dire, c'est pas quelque chose, veut dire que vous êtes obligé de rester tel quel parce que vous avez décidé que c'est ça. Si ça donne que vous êtes bien avec ça, ben, tant mieux. Mais en général, quand les gens autour de nous qu'on aime, veut dire, réagissent un peu différemment, au moins, ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Est-ce que, comprenez-vous? Alors, vos inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Ça peut être que vous pensez aller peut-être plus loin, mais vous dites, ah, moi, je fais des affaires comme ça, je suis pas capable. Moi, je pourrais dire ça. Initiative, c'est pas, tu sais, moi j'aime être accompagné, j'aime pas ça faire ça tout seul. Plein d'excuses, dans le fond, qu'on se donne pour pas démarrer la machine, même si ça trépigne, même si le feu, vous avez le feu, veut dire, en dessous de vos pieds qui vous pousse à avancer. Vous mettez un petit peu les freins, veut dire, en comment je pourrais dire ça? En mettant vos craintes, vos inquiétudes, propulser dans le futur, alors que veut dire, vous n'êtes même pas rendu là, là. Donc, laissez les choses arriver. Commencez par incarner totalement qui vous êtes. Vous aurez plus ce problème-là de voir vos inquiétudes, puis étant donné que vous n'en aurez plus, veut dire, à ce moment-ci, vous connaîtrez exactement comme vous êtes. Vous tenez droit dans vos chaussures, OK? En vous connaissant exactement, veut dire, avec vos forces, vos faiblesses, vous êtes meilleur dans ça que dans d'autres choses, veut dire. C'est ça, hein? OK? Donc, cette carte-là ne tiendra plus si vous arrivez à faire face, c'est-à-dire à ce que vous êtes exactement. Et d'accepter d'être ce que vous êtes, finalement, aussi. Ici, maintenant, n'oubliez pas qu'on évolue tout le temps. La patience est un élément clé de ma sérénité, effectivement. Donc, pour en arriver à un moment donné, prenez le temps. Là. Ça se fait pas, on change pas, veut dire, une vie, veut dire, en criant ciseaux, en criant, de dire, j'ai décidé de changer à partir de maintenant.
Et ne vous inquiétez pas, on va vous mettre à l'épreuve. La vie va se charger de vous mettre devant des situations que vous allez ramer. OK? Ramer dans le sens que toutes vos préoccupations, pas de préoccupations, c'est pas vrai, toutes vos bonnes intentions que vous êtes données à la base, mais quand dans l'application, on va dire, c'est pas tout à fait la même chose, on va dire, c'est sûr que ça... Bon, mais entre ça, avant d'aller lire celle-là, je viens de penser à ça, on va aller au chakra de la gorge, parce qu'il semblerait que tout ce que vous vivez ou ce que vous... Vous avez les impressions, tout ça, vous avez envie, vous avez besoin de les verbaliser, de les exprimer. OK? Ici, on vous dit, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. C'est-à-dire qu'on vous l'a dit ici, j'incarne totalement qui je suis. Donc, vous reconnaissez votre capacité à émettre. Autant vous êtes capable de dire ce que vous avez à dire, autant vous êtes capable de comprendre ce qu'on vous renvoie. OK? On parle toujours d'expression, là. Donc, l'énergie, à ce niveau-là, elle circule. Elle ne bloque pas. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. J'ai l'impression que vous cherchez un point d'équilibre à savoir est-ce que vous donnez plus que vous recevez? Est-ce que vous recevez plus que vous donnez? Il y a peut-être des questionnements dans votre cheminement qui cette façon-là, mais là, on vous dit avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Vous laissez encore là l'énergie circuler. Il le faut si vous voulez faire le pont entre le chakra de la racine et le chakra du troisième œil. Ça va leur circuler la gorge aussi, entre autres. Mais pour le moment, il semblerait que c'est au niveau du chakra de la gorge que vous avez besoin de laisser passer les énergies. Alors, effectivement, à recevoir autant que je donne. Ici, on nous dit « J'expérimente le vide avec sérénité ». Est-ce qu'il y a un moment donné où vous n'êtes pas capable d'exprimer exactement ce que vous ressentez ou le pourquoi de que vous vous sentez comme ça? Il y a un vide. Il y a comme, je le fais parce que puis on cherche. Notre mental tourne dans le rond. Ça ressemble à un petit hamster dans la roue qui tourne tout le temps en train de courir après Dieu sait quoi. Ça tourne dans le vide. Tout simplement, c'est que vous fassiez... Peut-être qu'il y était un temps dans votre vie, vous tenir occupé, il veut dire, c'est tout le temps, c'était votre façon de vous donner du carburant, c'était votre façon à parler. Là, on vous dit d'arrêter. Là, on vous dit, OK, tu prends ton respire, tu laisses le vide, expérimenter le vide, j'ai rien à dire. J'ai sorti tout ce que j'avais à sortir, ou du moins, où est-ce que j'en suis rendu? J'ai sorti ce que j'avais à sortir, puis là, là c'est vide. Autrement dit, j'ai sorti tout ce que j'avais sorti de mon sac. Donc, on stoppe, on ne revient pas en arrière, on ne commence pas à répéter 15 fois les mêmes choses, comprenez-vous? Vous expérimentez ce vide. Une fois que vous l'avez exprimé, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez? Comment vous êtes capable d'interagir? Je suis en train d'inventer des mots, désolé. Interagir tout simplement avec les gens avec qui vous vivez, parce qu'on parle toujours d'amour, donc la vie continue pendant qu'on se pose toutes sortes de questions-là, puis il faut qu'on arrive à le dire. Il faut avoir une conjointe ou conjointe, vous dire une personne dans la relation, vous dire qu'elle est ouverte quand même aussi. Donc, j'imagine que on attire ce qu'on est, hein, quelque part. J'expérimente le vide avec sérénité et je prends conscience de ma circulation énergique. Donc, vous sentez que vous êtes capable, vous sentez que, parce que vous l'avez expérimenté quand même à différentes façons ici, vous savez que vous êtes capable vous avez pris conscience, on va dire de cette façon, de votre circulation énergétique. Comment ça se passe de la base, de la racine, au chakra, on va dire, du troisième œil ou du chakra de la couronne au pyralé. OK? C'est dépendamment de ce que vous voulez travailler en haut, là. Mais si on vous dit la patience est un élément clé, donc c'est quelque chose qui se fait doucement. Comment je peux dire ça? Ça se fait avec fluidité, ça se fait pas, on va dire, sans connaissance, surtout que vous avez exprimé des choses entre les deux. Vous avez quand même, je pense, dit ce que vous aviez à dire à un point qu'on vous dit, là, écoute, ton sac est vide, là. Fait qu'expérimente que ça fait de plus avoir de choses à dire qui te préoccupait ou qui t'agaçait ou qui te... Bon, peu importe, qui te freinait à quelque part, qui empêchait, veut dire, peut-être l'énergie de circuler tout simplement entre les deux chakras, là. OK? Parce que entre ce qu'on disait puis entre ce qu'on ressentait, c'était pas tout à fait la même histoire. OK? Là, on vous dit la patience, c'est un élément clé de la sérénité. Donc, vous êtes peut-être un instant où on vous dit de... OK, ralentis, là. Vas-y tranquillement, puis tu vas voir, ça va se faire tout seul. Ici, on vous dit, je cherche de regarder qui je suis dans le regard des autres. C'est pas ça qu'on regarde dans le regard des autres.
OK? C'est pas parce que les gens nous disent qu'on est fin, on est gentil, mon Dieu, que t'es ci, que t'es ça, que t'es l'autre, que c'est ce que c'est vous. Mais de toute façon, en expérimentant ça ici, surtout que vous reconnaissez des principes de base de l'expression, il serait surprenant que vous soyez encore longtemps coincé avec l'idée de dire que... ça, je pense que ce sont des choses qui sont peut-être à débarrasser. N'oubliez pas qu'on vous le dit, hein, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Donc, arrêtez de savoir ce que les gens... arrêtez de voir l'admiration, vouloir voir ce que vous méritez dans le regard des autres. Autrement dit, l'admiration, la sérénité peut-être, l'excitation, des choses que vous devriez ressentir vous. C'est vous qui passez à l'action, pas les autres personnes. OK? Donc, arrêtez de vous juger à travers les gens, à travers ce que les gens pensent de vous, ou laissent montrer de ce qu'ils pensent de vous, qui démontrent, veut dire, de, tout simplement, veut dire, de l'interaction que vous avez avec les gens autour de vous. C'est un beau tirage parce que ça vous ramène à vous, mais ça vous donne dans votre relation la possibilité de vous connecter, veut dire, vraiment à ce que vous êtes à la base, et puis de le transformer tranquillement, en réalité, en le réalisant, en le comprenant, en l'assimilant, en le testant aussi, parce qu'il y a des choses que vous allez tester, veut dire, qui ne fonctionneront pas nécessairement dans la relation avec aussi facilement, parce que c'est quand même des bons mouvements que vous faites, vous, de votre côté, pour changer, pour améliorer les choses, parce que vous prenez conscience de la portée des gestes ou des actions que vous avez faites, ou même des paroles que vous dites. Donc, c'est tout un chemin parcouru, là. Mais on vous dit d'arrêter, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous laissez encore passer à un point, veut dire, où ça affecte, pas affecte, mais en tout cas, ça sera même jusqu'au niveau de votre troisième œil qui vous dit que votre degré de satisfaction ou votre degré d'appréciation, je bafouille ce matin, d'appréciation, veut dire... dépend de ce que les gens veulent dire, ce que vous ressentez des gens. Si les gens n'ont pas de réaction face à vos gestes ou à vos actions, vous êtes comme tout démuni, là. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Le questionnement commence à embarquer, OK? Non. C'est pour ça qu'on vous dit, là. Reste tel que tu es. Tu as verbalisé des choses. C'est pas quelque chose, normalement, que tu devrais entretenir longtemps parce que tu ne seras pas bien dans ça. Fait que c'est sûr qu'on vous dit la patience est un aimant clé de ma sérénité. Vous en avez pris conscience? La moitié du problème est réglé. Laissez faire le temps. On vous dit de lâcher prise, encore une fois. Pour que la patience est un élément clé de ma sérénité. Ça va venir tranquillement. Vous allez arriver à prendre de plus en plus confiance en vous. De toute façon, vous commencez déjà beaucoup à verbaliser. Donc, c'est déjà un bon point que veut dire vous évoluez agréablement et facilement. Veut dire facilement, en tout cas, à votre rythme dans ce domaine-là. D'accord? Ça va juste renforcer la relation. C'est tout. Alors, on continue avec l'argent, le finance, l'ambition, on va dire de cette façon aussi, ça pourrait être ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Vous savez, vous ressentez que vous êtes capable d'aller chercher ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez fait des souhaits ou des vœux, ou si vous êtes déjà dans la démarche pour aller chercher des choses financièrement qui pourraient vous avancer, des prêts, ça peut être des projets, ça peut être des contrats, ça peut être toutes sortes de choses, vous dites, qui rapportent de l'argent, nécessairement. Ici, on vous dit la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, on va regarder comment la photo, elle est parlante. En tout cas, du moins, moi, elle me parle énormément. Regardez comme le poisson qui est dans le petit aquarium saute pour aller dans le gros aquarium. Donc, son ambition, on va dire, c'est une image, évidemment. Le poisson saute dans le plus gros bocal qui a l'air plus intéressant. Peut-être qu'il correspond, on va dire, où est-ce qu'il en est rendu, hein? Ça peut être de cette façon-là qu'on le voit, parce que de toute façon, il s'illustre. On voit que dans cet aquarium-là, il y a plusieurs poissons, on va dire, qui sont dans le bocal, contrairement à l'autre, parce qu'il y a juste, je pense, c'est un poisson seulement. Il semblerait que c'est, en tout cas, selon l'image qu'elle nous donne, ça ressemble pas mal à ça, un poisson comparativement à plein de poissons. Donc, il s'évade, il s'en va dans un endroit où il va être plus efficace. Parce que dans l'endroit où est-ce qu'il y en avait trop, il perdait de son efficacité. Là, il n'y a pas grand-chose qui avançait. C'est pour ça qu'on y a passé à l'action. Il a été dans un autre lieu pour être capable d'être lui-même, finalement. On parle de la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées, donc vous avez réfléchi à l'action à faire, vous avez médité, vous l'avez ressenti, le mouvement à faire pour vous sortir de la situation où vous êtes dans le moment financièrement, vous dire aux questions de projet ou d'ambition ou d'argent, carrément.
OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Autrement dit, on vous parle de oui, d'écouter. Hein? D'écouter, j'aime bien qu'ici vous parlez beaucoup. Ici, on vous demande au niveau de l'argent de moins parler, de plus écouter. Peut-être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute des informations que vous recevez autour de vous, sans nécessairement accrocher sur une, quoi, qu'il y ait seulement une parole à un moment donné qui va vous ramener à dire « Oh, ça a du sens, ça! » question argent, question investissement, peut-être, c'est bien possible. Alors, on vous demande de rester les oreilles ouvertes, de laisser ces cinq sens, travailler à votre service, dans le fond, en étant plus sensible aux énergies et à ce qui se passe autour de vous, pour vous permettre, vous, peut-être, de vous concentrer sur autre chose, mais votre sixième sens veut dire on vous demande de l'écouter. On demande d'écouter ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui, sans nécessairement vous échapper, mais il y a des informations qui viennent à vous, dans ce sens-là. Ensuite, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Moi, je pense que c'est surtout pour faire un voile entre ce qui est et ce que vous êtes vous, dans la mesure où vous êtes dans le moment en train de vous renforcer, de reprendre confiance en vous. On n'oublie pas qu'on veut dire, on sort peut-être dans une période, veut dire, un peu plus compliquée. Donc, vous avez encore une certaine sensibilité, une certaine vulnérabilité, et on vous demande tout simplement de vous protéger. Hein, la bulle, elle est là, puis on voit le rayon or autour pour se protéger, pour justement que votre force, qu'elle est, votre confiance en vous peut être naissante, veut dire, continue de grandir pour que vous soyez plus affecté, veut dire, par ce qui peut se produire extérieurement. OK? Il va vous empêcher parce que ça va vous ramener dans l'ancien pattern. C'est ce qu'on veut pas, là. Donc, on vous demande tout simplement de vous protéger face à ça, hein? On veut dire, une petite bulle blanche, mettre un mur, veut dire, entre vous et les autres pour laisser, veut dire, que les énergies positives entrent, mais pas les forces négatives, on va le dire de cette façon-là, si on peut le visualiser de cette façon-là. Tout ce qui n'est pas divin, il veut dire on ne laisse pas rentrer dans notre bulle. C'est une façon de protection aussi. Donc, on vous demande de vous protéger par rapport à ça pour vous continuer d'avancer sans vous sentir influencé par des facteurs qui, de toute façon, veut dire, sont en dehors de votre champ, veut dire, de votre but. Là. Parce que vous êtes engagé dans l'action. Là. C'est plus le temps de commencer à écouter ce que les gens disent... souvent vous concerne pas, puisqu'on vous ces paroles-là sont faites pour vous, peut-être vous décourager ou vous mélanger ou semer la confusion ou dans ce sens-là, surtout si vous revenez d'un congé de travail, c'est sûr qu'il y a certains qui vont prendre plaisir à dire « est toujours aussi fou ou aussi folle qu'elle était », vous comprenez? Alors, on va dire, c'est ce qu'on vous dit de vous, justement, de vous protéger parce que, bon... Vous avez confiance en vous, vous savez, vous en êtes rendu, vous voyez votre chemin... Et vous en restez là-dessus. Ce que les autres en pensent, ça ne concerne qu'eux. Et non, surtout en étant protégé, vous ne seriez pas touché par ces énergies. Veut dire, bon, peut-être ça nécessairement être négatif dans le sens que les personnes vous veulent du mal, mais veut dire que, bon, l'empathie, c'est pas sa qualité première, on va dire ça de cette façon-là, pour être poli. Alors, on va le voir de cette façon-là, d'accord? La bulle de lumière pour vous protéger contre les influences extérieures négatives, on va le dire de cette façon, qui ne vous apportera rien de bon, de toute façon. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vous voyez, vous êtes capable, ne serait-ce que par votre pensée, par ce que vous exprimez, sortir, veut dire, ce qu'il y a de bon dans la situation. Peu importe dans quel schnout vous êtes, de toute façon, vous avez votre bulle qui vous protège. Vos paroles vous disent, garde, aujourd'hui c'est ça, demain sera autre chose. Je sais que je suis capable de faire ça, puis demain on va être capable. Vous parlez, vous encouragez, vous motivez, vous êtes capable de le faire avec la voix du cœur. Vous êtes capable de dire, gars, je sais que je suis capable, on avance, on continue, je suis capable d'aller chercher ce que je veux. OK? Ensuite, l'esprit de prospérité, vous voyez, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous voyez le langage du cœur? On vous le dit ici, la prospérité, elle vient vers vous. Donc, vous avez sûrement fait des demandes. Est-ce que ça vient nécessairement dans la façon que vous l'aviez demandé? Ce n'est pas ce qu'il semble ici nous dire, quoique ça peut être possible aussi. Hein? On sait que c'est un tirage général, on comprend. Ça vient à vous par de multiples voies, donc ça peut être de différentes façons. Ça peut être des outils qui vous arrivent qui arrivent vers vous, ou des occasions qui arrivent vers vous pour vous emmener vers la prospérité que vous aimeriez avoir. Au début, l'ambition que vous avez tout simplement de, je ne sais pas, il y a quelque chose à réussir pour vous. En tout cas, pour vous, ça représente la réussite financièrement pour vous.
Mais là, on vous dit que les voies de la... Oui, la prospérité pour vous, mais ça peut venir dans différentes voies. C'est pas juste de l'argent, ça peut être de l'argent et de différentes choses, OK, qui vont vous amener à aller chercher ce que vous voulez, quand même. Ça, ça va être des outils. Et pour terminer, on vous dit d'en rire. Le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Autrement dit, pendant que vous avez du plaisir, pendant que vous riez de ce qui se passe, pas nécessairement de dire, je dirais plus tourner en dérision, parce qu'il y a des événements, des fois, tu te dis, bon, ça aurait été trop beau pour être vrai, dans ce style-là. Vous comprenez un petit peu de cynisme, on va le dire de cette façon-là. Mais il faut en rire. Il faut être capable de dégager cette énergie-là, justement, en prenant la vie pas trop au sérieux, parce qu'après tout, vous dire, c'est quand même, vous la prendriez très au sérieux, vous dire, c'est pas ça qui va vous faire avancer plus vite, hein? Ça fait juste vous laisser dans une humeur un peu plus sombre. Ici, on vous dit d'en rire de ce qui se passe, parce que vous prenez confiance en vous, vous savez à quelque part que vous êtes capable d'aller chercher, que vous avez les outils qui se dessinent, qui s'approchent de vous, vous voyez les occasions arriver, qui vous amènent à plus vous casser la tête et à vouloir être en mesure le plus possible de lâcher prise, dans le fond, pour laisser arriver tous ces événements qui se vous ont annoncés. En fait, c'est ça. Le rire, c'est une émotion qui est très, 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 très forte. Pendant que vous riez, vous ne pensez pas à rien, là. À part de vous tenir les côtes, sûrement, là. Mais en dehors de ça, vous riez, vous êtes dans le moment présent, vous êtes à rire de ce qui s'est passé, à rire de l'action qui s'est déroulée devant vous, peu importe, ou des gestes que vous avez faits, vous n'avez pas réfléchi avant, qui est à quelque part avec un certain recul qui était un petit peu, bon, stupide ou maladroit, ou peu importe, mais vous riez, que ce soit de vous, ou de la situation, c'est ce qu'on parle aussi un petit peu, c'est ce qui va vous amener à arrêter de vous concentrer sur peut-être que veut dire ce qu'on veut pour laisser les choses justement s'ouvrir et arriver pendant que vous riez, autrement dit. OK? C'est vraiment dans ce sens-là, c'est que vous dégagez cette énergie-là justement pour être en mesure, vous dites, de laisser passer les choses qui vous sont annoncées au niveau de financier. Autant financier, veut dire qu'au niveau amoureux, qu'au niveau du travail également. Puisqu'une proposition au début, elle était là, la proposition de travail. Mais c'est sûr que travailler, c'est pas la vie, là. C'est pas toute notre vie. Ça remplit pas notre vie. Il y a 24 heures dans une journée. OK? Alors là, voilà ce que j'ai à vous dire au niveau de l'argent finance. C'est quand même très bien. Je trouve que vous avez un beau tirage. Vous avancez tranquillement, mais sûrement. Vous êtes un peu plus conscient également de ce qui se passe autour de vous. Je pense que vos sens sont un petit peu plus décuplés. Vous êtes plus ouvert, on va dire, à ce qui se passe autour. Vous êtes plus intéressé à aller chercher d'autres outils que ce que vous connaissiez. Donc, ça amène son lot de questionnements, d'essais-erreurs. Hein? Ça peut arriver aussi. Mais vous essayez quelque chose dans la meilleure intention. Ce n'est pas pour avoir un pouvoir sur des personnes. Ce n'est pas pour nécessairement faire du mal à des personnes. Pas nécessairement, mais pas faire du mal à des gens consciemment, je devrais dire. Donc, c'est vraiment dans le sens d'avancer spirituellement, d'avancer dans votre cheminement. On peut laisser le mot spirituel de côté si ça vous dérange, mais ça reste que c'est votre cheminement. OK? Allons-y avec les petits oracles des anges, faire un petit résumé ou un petit une synthèse des trois aspects de votre vie pour la semaine du 13 au 19 septembre. Alors ici, on vous dit, mon Dieu, deux fois, détermination. Détermination, persévérance, patience sont la clé d'une issue positive. Hein. On l'a vu, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du travail, de se remettre en forme pour être présent quand l'occasion va se présenter, autant que le fait de rire, de se laisser, veut dire, pas se prendre au sérieux, dans le fond, dans les changements qu'on voit venir, de trouver ça bien, de trouver ça le fun. De voir, on va dire, que les choses se dégagent, que ça vous ramène tout de suite au niveau du cœur, hein, on l'a vu tantôt. Je pense que c'est un encouragement et on vous demande de ne pas perdre la foi. Hein. On vous a dit tantôt que c'est une question de patience. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, si vous êtes dans une... C'est sûr que si vous êtes dans le moment en passe de faire les changements, de arrêter, pas de faire les changements, c'est de réaliser ce qui se passe vraiment dans votre vie et comment vous situez, vous, dans cette situation. Arrêter, c'est garder foi en vous, que vous êtes capable de faire ce cheminement-là, ce bout de chemin pour arriver à quelque chose de mieux. C'est ce que vous appréhendez, c'est ce que vous voulez avoir. Donc, rien de négatif.
puis de laisser les choses arriver justement par ce nouveau, une nouvelle perspective de comment on voit la vie, comment on laisse faire les choses, comment on laisse certaines, veut dire, zones dans notre vie laisser un peu plus de lousse au lieu d'essayer de tout contrôler. Je pense que c'est de cette façon-là que les choses vont arriver. Mais la seule façon que moi je verrais dans les cartes, dans le moment, pour vivre tout ce que vous avez à vivre de la façon la mieux, rire. Le don de rire. Même si vous avez des difficultés dans votre couple ou vous avez des périodes, on va dire, peut-être plus grises, je dirais, de rire. Rire de ce qu'on, de la réaction qu'on a des fois à des gestes bien, bien anodins, il veut dire, mais qu'on monte en épingle. OK? Au niveau du travail, c'est la même chose. C'est le stress de la performance. C'est le stress, veut dire, de donner, veut dire, ce qu'on a promis. On se sent à un moment donné engagé dans ce qu'on fait comme travail. OK? Le rire. Le rire pourrait, votre façon. Si vous avez des difficultés, vous êtes une période plutôt sérieuse, ben, je vous dirais, essayez d'aller voir des choses qui vous font rire. Allez voir des humoristes, allez voir, on va dire, des clowns, allez voir peu importe l'humour qui vous touche pour vous aider à vous dérider, à arrêter de prendre ça au sérieux, prendre ça vraiment au mot à mot, au geste prêt à vous stresser, à va dire, je ne peux rien manquer, pour de peur de manquer mon. Non, riez, là, détendez-vous. Là. On fait ça dans l'amour et dans la compréhension, et etc. Dans la lumière, finalement. Et dans l'ici et maintenant. Ayez foi en vous. Vous êtes déterminé. Vous l'avez assez prouvé aux différents niveaux. Vous êtes peut-être rendu là, exactement, ici et maintenant, dans cette période de vouloir se vous prendre définitivement en main. Vous y allez, veut dire, à votre façon, veut dire, de la meilleure façon que vous avez trouvé pour que vous soyez capable de la vivre, de l'assimiler, cette nouvelle expérience-là, de la tester même. Puis ça, je vous recommande, tester, voir. Si on vous dit, ouais, regarde, si tu n'as plus confiance en toi, tu fais telle chose, tu vas avoir une autre perspective, bien, tester. Mais soyez sincère dans ce que vous voulez faire comme changement, dans ce que vous verbalisez. OK? Vous avez très belle carte, cher Sagittaire. C'est une belle semaine pour vous. Il y a de l'avancement, effectivement. Vous voyez la vie, comme je vous dis, face à ce que vous êtes maintenant, ici, maintenant. Et vous travaillez, comme tout le monde, veut dire, à faire de vous une meilleure personne, finalement. Ça va vous attirer aussi des meilleures choses autour de vous. Meilleures personnes autour de vous, de meilleures actions qui vont se transporter, on le voit, hein. Puis en plus, ben, tout ça, vous continuez votre cheminement et vous riez de la situation. Vous ne prenez surtout pas au sérieux. Ça se peut que vous... Ça pourrait fort bien que vous vous plantiez quelque part, puis c'est normal, vous bougez. Vous êtes dans l'action. Il n'y a rien de problème à rire, puis reculer un petit peu, voir revoir la situation, réévaluer les choses, réévaluer les perspectives, et de reprendre l'action. Une fois qu'on a trouvé, il va dire, une autre façon de faire les choses. OK? Alors voilà, Serge Sagittaire, c'est ici que se terminent vos énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Alors, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de peut-être mettre des commentaires également. Ça me guide et ça, effectivement, ça m'encourage énormément. J'ai extrêmement beaucoup de gratitude au fait que vous preniez le temps de laisser un petit mot. Je vous redirais un merci. C'est très gentil. Je voulais aussi partager s'il y a des gens qui pensent que ce tirage pourrait peut-être les aider à quoi que ce soit. Je vous en prie, n'hésitez pas. C'est fait aussi pour ça. Alors voilà, j'espère que vous allez avoir une belle semaine du 13 au 19, du moins c'est ce qui est annoncé pour vous. Il y a un peu de boulot, mais qui en a pas, hein? C'est-à-dire, on est tous dans cette période-ci, justement, de changement, savoir un petit peu, se reconnaître qui on est. Alors, du 13 au 19 septembre, c'est terminé pour vous. Ça va, la lecture générale, prenez ce qui correspond. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, d'aller voir votre signe lunaire également. Ça pourrait donner d'autres informations sur peut-être d'autres sujets, d'autres situations que vous vivez, peut-être plus proche de ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Comme je vous dis, ça vous appartient, exprimez votre libre-arbitre face à ça. D'accord? Alors voilà, Serge Sagittaire, c'est ici que se termine la lecture. Du 13 au 19 septembre 2021 pour vous, chers Sagittaires. Alors, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de paix et de prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers Sagittaires.